aujourd'hui, Aon et moi, on joue pendant 24 heures dans les pires conditions possibles sur Farming Simulator 22. De la boue, de la neige, des convois exceptionnels dans les montagnes, enfin, tout ce que tu peux t'imaginer, quoi. Du coup les amis, on est parti avec Aon aujourd'hui pour passer une journée complète dans des conditions abominables. Extra, bah tu vois, j'arrive déjà même plus à tourner. Donc comment tu vas Aon? Attends, on voit ta lampe de poche. Ça va. Du coup, on commence... Ouais, vas-y, sors, tranquillou. On commence aujourd'hui les amis sous un temps enneigé, devrais-je dire. Donc on a quand même pas mal de centimètres de neige qui sont tombés pendant la nuit. On est dans les montagnes, on a du coup du déneigement à faire en sortant de la ferme. On a également du bois à aller ramasser dans les montagnes. Donc, enfin, vu qu'on est une map montagneuse, on est sur The Alps. Autant vous dire que juste la map, c'est déjà hard. Mais les conditions qu'on a rajoutées avec la boue et tout, après vous allez voir, ça va encore être encore un peu plus dur. Donc on va commencer par déneiger. Alors Aon, je te propose de prendre un tracteur. Tu peux prendre le Valtra, il y a le Valtra qui est à la ferme. Donc on a quand même pas mal de matos à la ferme. Il est ici, voilà, donc tu peux mettre la lame directement non, les pendeurs à sel directement derrière, avec la déneigeuse devant. Et moi je vais prendre le gros chargeur Volvo les gars. Et on va mettre la lame devant. Vous allez voir, ça va être méga stylé. C'est juste histoire de déblayer l'entrée de la ferme. Alors mon chargeur Volvo il est là. C'est juste histoire de déblayer l'entrée de la ferme pour qu'on puisse sortir nous derrière pour faire du bois. Parce que bah pour faire du bois on va sortir avec un nouveau van, un Nissan qui est sorti, qui est magnifique d'ailleurs. Et puis bah il y a des montées et des descentes à prendre, ça va être super chaud. Surtout avec une remorque de bois, vous connaissez le bois dans FS22. Je pense que c'est le pire défi qu'on ait fait niveau conditions, c'est mis dans les pires conditions. Donc après on va devoir aller faire de l'ensilage en conditions extrêmes. Évidemment bon, on va essayer qu'il n'y ait plus de neige mais qu'il y ait de la boue. Surtout que j'ai rajouté un mode boule là les gars, avec plein de particules, ça va être incroyable. Bon, du coup je vais enlever ma pelle à bois devant. Enfin ma pelle, mon godet à bois devant. Mettre ici. Et on va supportable le Valtra à conduire. Ah ouais? Bah sous la neige genre il ah oui se fout. Ah bah je te... Ah bah même mon truc hein, même mon chargeur hein. De toute façon sous la neige ça fait longtemps qu'on a plus joué sous la neige les gars. Oula. Bah tout glisse quoi, tout glisse. Bon déjà on va déjà un peu déblayer la ferme. Je sais pas si t'as vu ma nouvelle voiture Renault. Elle déchire, Aon. Je peux te dire que là. Oula. Sinon, ah oui, Aon, t'as du. Tu vois comment je galère ou pas? Oui, parce que évidemment, pour accentuer le tout, les amis, on a mis le mode REA. C'est-à-dire le mode réaliste qui vous permet d'avoir le poids réel des véhicules et tout. Donc autant vous dire que dans la neige, c'est foutu. Ouais, donc t'as les big bags de sel qui sont à côté de l'hangar là-bas en fait, Aon. Ouais. Oh là là. Il va falloir que tu viennes passer un coup de sel hein, parce que c'est. Je fais du 2 km/h juste dans la ferme alors que c'est plat. Tu te rends compte? Et on avait pas de fourche à palette? Non, y'a que le pic. Oh, bah. Y'a que le pic à botte. Mais j'ai peur pour l'ensilage. Hein. J'ai vraiment peur pour l'ensilage parce que c'est la première fois qu'on va tester dans les montagnes. Parce que tout, évidemment, on a pris que des champs un peu qui sont en pente quoi. Allez, vas-y. Voilà. Donc après, y'a cette route là. Puisque nous, on doit monter. Regardez, on doit prendre à gauche. Regardez déjà la première route qu'on a à prendre. C'est celle-ci. Juste celle en face. Donc, on est très mal barré. Voilà une première conséquence des conditions qu'on s'est fixées les gars. Voilà. C'est-à-dire que voilà, ça monte plus. Ça monte plus frère. Mais gros, c'est pas possible. Allez, reprends. Oh puis redémarrer en montée en plus, ça c'était pas une bonne idée. Hein. Non voilà. Et on vient juste de commencer la vidéo en plus. Hein. Le Valtra il en peut plus aussi, t'inquiète. Mais Aon est derrière avec le Valtra, mais j'ai l'impression que ton Valtra s'en sort mieux que mon. Ah j'ai dit. En plus, la gaffe que j'ai fait. Tout à l'heure j'ai dit on va prendre le Volvo, c'est un Liebherr. Je pensais que si j'avais mis un Volvo, tu vois, bah non j'ai mis un Liebherr. Maintenant Volvo c'est pour le prochain DLC les gars, vous me connaissez. J'espère que Balan au montage il indiquera Volvo en écrit dessus. Bon finalement on a peut-être vu le challenge un peu trop hard. Aon, donc là, 2 minutes après que je sois calé dans la montée, regardez, vas-y roule. Voilà. Super hein, super les gars les conditions. Donc ça c'est le mode REA. Et on a même pas démarré, il s'est déjà enterré. Ah par contre, il commence à plus y avoir de neige gros, non? C'est peut-être que moi en fait. Non maintenant c'est moi le sel. Ah c'est toi le sel, t'as épandu aussi large toi, c'est bon large. Bon bah les gars on va essayer d'aller. Hein? Je peux mettre en 10 mètres. Ah ok. On va essayer d'aller aider Aon, on va prendre le gros JD avec la chaîne, on va essayer de le tirer de là mais c'est pas gagné. Ok les gars on arrive avec le JD. Normalement ça devrait le faire si ce bolide là il a. Oh je vois déjà qu'il a déjà du mal. Non! Non! Oula le crash! Mais il veut pas s'atteler à toi Aon hein. Attends, vas-y, oh merde. Qu'est-ce que t'as fait là? Non. Ah c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez vas-y, avance avec moi.
Voilà, tu vois. Non, mais c'est un JD. On a quand même un 8530, les gars. Hein. Donc, on a de quoi faire. On va aller en haut. Bah, attends, je peux te déceler là ou pas? Vas-y. Oh, vas-y, au pire, il prend que du sel. Hein. Oula, oula, ouais, par contre, ça... ici. Je passe sur le truc. Mais normalement, d'ici 2 heures, ils annoncent plus de neige. Hein. Donc, je pense que niveau du temps, ça devrait être bon. Attends, je vais lever ça. Voilà, je te laisse un peu avancer. Moi, si je passe la neige avec la. Avec le truc, t'auras plus rien. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Les gars, on a pris le tracteur de Haron, on arrive vers la grande route. En fait, c'était à droite qu'il fallait aller. Oh putain, j'ai eu peur. Non, active. Active pas. Évidemment, j'ai changé de sélection. Il y en a 4 des sélections sur l'Ultra. Ah bah super. Manquait plus que ça. Voilà. Là, on est bien. Donc, on arrive, tu vois, mais. Tellement je suis lentille, je déneige la porte ouverte, gros. Il caille un peu en soi, mais. Ouais, ça marche bien. Hein. Du coup, ouais, il fallait prendre à droite à la ferme, mais au moins, on a dégagé un peu le chemin à gauche au cas où on doit le prendre. Et là on arrive du coup à l'axe principal. On va pouvoir aller faire notre bois les amis. Enfin, puisqu'on a quelques morceaux à ramasser. Voilà, sur nos petites remorques. Quand on n'a pas des grosses remorques, on a un van, enfin une camionnette avec une remorque derrière et un interrunner. Lève pas la souffleuse avant le virage hein. Pourquoi? Bah si tu la lèves, tu finis dans l'eau. Et quoi, il tangue un peu avec la souffleuse? Non, si, en fait si tu la lèves en gros t'auras plus d'appui sur l'avant. Je sais pas pourquoi, mais ah t'auras bon pas d'appui sur l'avant. C'est chelou ça comme physique. Bah ouais, parce que avant, bah là tu vois, ça, toi ton Valtra il se démerde hyper bien. Bah ouais. Avant j'étais à 15, il faisait que drift et il freinait pas, il tournait bah pas. Bah là franchement il se démerde bien, on est sur du plat là. Et... on va m'expliquer comment la neige elle tient là. Mais. Où ça? Là, je vais monter. Ouais, c'est de la neige solide mon pote. On va juste faire ici. Voilà, bon après c'est l'axe principal, on va pas non plus tout faire. Ok, bah nickel, au moins on est fine, on va. Voilà. Bah non mais. Voilà, bon. On va juste désactiver ça et du coup on retourne à la ferme pour chercher nos camionnettes. Les amis, il est à peu près midi et on va partir au bois. Donc Aon a le classe Atlas. Pourquoi je vois pas le Atlas? Tu vois écrit Atlas toi? Je vois flou moi. Mais ouais, moi aussi, alors qu'en solo je l'ai bien vu, bref, c'est chelou. Donc t'as le classe Atlas 926 derrière le Interrunner avec un support pour le bois. Et moi les amis, j'ai notre nouveau van Nissan qui nous a rejoint à l'entrepôt avec... la remorque à bois juste derrière. La voile? Quoi? Je prendrais pas la souffleuse au cas où si on a des problèmes avec la neige. Bah si tu veux ouais, si t'as de la place devant ouais. Vas-y. Oui parce que bon là je vous le dis, alors il a arrêté de neiger comme vous avez pu voir, mais on a toujours de la neige sur la route. Donc bah il va falloir faire attention parce que là vous allez voir les chemins qu'on va prendre, vous êtes vraiment pas prêts. Donc on va pouvoir mettre du bois dans le Nissan et en même temps dans la remorque. Autant vous dire que si déjà on monte à vide, c'est déjà un exploit. Mais si on re-remonte, enfin on descend et on remonte ici à plein, c'est incroyable. Donc remonter, je pense qu'on aura moins de mal, il y a plus de neige. Hein? Remonter, on aura moins de mal, il y a plus de neige. Comment ça, il y a plus de neige? Ah oui, c'est vrai que maintenant ici on a déneigé. Bah tu vois, j'espère que le déneigement va servir à quelque chose du coup. Et du coup, les gars, bah c'est stylé. Je suis très content de vous proposer ça, même si là on s'est mis dans des conditions assez abusées. Alors j'ai mis le mode aussi dust là, vous voyez, c'est pour ça qu'avant il fait autant de poussière. Parce qu'en fait, oh, il y a le mode dust juste derrière. Je suis à fond sur les freins depuis avant. Ah oui, parce que là, vu la descente, frérot. Donc je vais quand même vous filmer avec vous la montée, histoire que vous puissiez voir. Dans quel merdier on s'est mis. Voilà. Donc déjà là pour remonter vous avez vu tout ce qu'on a à faire hein. Donc c'est rien comparé à là où on va pour aller chercher le bois. Donc le but c'est de faire une livraison de bois, le ramener quoi pour nous. Alors on a du bois en 6 mètres qui est déjà en tas. Le truc c'est que bah pour Aaron ça devrait aller. Pour moi il va falloir le recouper un peu. Donc les gars voilà le chemin qu'on doit prendre. On prend à droite ici bien évidemment. Voilà. Non mais me dis pas que t'es à fond là. Ah moi aussi en fait. Non. Pas déjà. Non. Non, pas chaîne, déjà, en fait. Mais pas déjà, frère, j'ai fait 2 mètres dans la montée, frangin. J'aurais dû prendre la chaîne, en fait, pas la souffleuse. Oh là là. On va moi aussi. Non, t'es enterré, là? Presque. J'ai arrêté, mais je retourne en arrière. Ah, mais c'est pas possible, frérot. Voilà, non, mais si je peux pas. Attends, faut que je prenne de l'élan, mais là, je suis stuck. Là, je suis stuck, hard stuck, là, mon pote. Oh là, c'est pas vrai. Eh, les gars, dites-vous que la montée qu'il y a là... c'est 1/40 de ce qui nous attend. Non mais là tu vas. Là tu vas valser dans l'eau là mon pote. Oh là. Et moi je suis à bout, je suis à fond de cale avec le Nissan gros. Il est sur deux roues, il en peut plus. Qu'est-ce qu'il me fait frangin. On va pas y arriver frérot. Bah je pense que là la seule chose qu'on a à faire c'est attendre qu'il y ait plus de neige hein, mon frérot. Les gars, il est aux alentours de 13h et Aaron, malgré qu'il y a plus de neige, a toujours quelques petits soucis avec le classe.
Moi ça va mieux du coup parce que bah moi j'ai moins de poids que lui. Il a quand même, il a pris la souffleuse du coup, mais là c'est bon, on a attendu, la neige s'en allait, on a plus de neige donc on va pouvoir kiffer un peu. Par contre ce que j'ai hâte c'est que déjà vite tu montes pas, mais alors qu'il va falloir retourner à plein et surtout que maintenant il y a plus de neige et que t'es toujours autant dans la galère, ça va être la merde hein. Oh là, alors regardez la montée, imaginez si on avait dû prendre ça avec de la neige. Je t'ai dit, le classe était bizarre, même sur le plat il avait du mal. Ah non mais la montée. Ah bah je l'ai pas fait. Eh je l'ai pas fait en véhicule avant mon pote hein. Oh là 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 là. Ah bah là tu montes pas, tu vas redescendre en restant pied sur l'accélérateur, je te le dis hein. Ah je suis à 1 km là pour l'instant. J'ai commencé la montée hein, la deuxième montée juste hein. Oh putain mais là t'es vraiment pas prêt là gros de ce qui t'attend là. Bref on est arrivé, du coup on va essayer de les couper, on va en mettre comme je l'ai dit dans le Nissan et dans la remorque. Non, voilà, non, c'est le tas là. Je pense qu'on va faire J'ai un problème chef. Quoi? Je commence à redescendre. Ah merde, déjà? Ah 6 mètres quoi, 6 mètres ça va hein. Eh 6 mètres ça rentre dans ma remorque. Ah là là. Non, tu montes pas sérieux? Ah, il a repris du gaz. Ah bah voilà, arrête de parler de mauvaises nouvelles comme ça. Bon du coup on avait amené le Liébert juste avant. Sauf que je l'ai amené par une autre route. La route map sélection téléporte. Je sais pas si vous connaissez. Très bonne route hein. Hop, on va se mettre comme ceci. Vu qu'on est que deux et qu'il avait fallu amener 3 véhicules. C'est vraiment histoire de faire un gros transport. Mais même moi à plein sans neige pour remonter à la ferme, ça va pas être évident je pense hein. Parce que là je vais pas essayer de charger le tien à bloc parce que... Oui bon. Ah frère j'ai réussi à monter là, la deuxième montée. Ouais, bah il t'en reste encore la plus grosse qui t'attend. Mais j'avais eu besoin un peu d'aide à des moments. Ah non mais là il y a encore... Attends mais là t'es pas prêt. Le chemin juste avant de venir là où je suis, il est infernal hein. Enfin le petit bout de chemin il est infernal. On pourrait essayer. Le truc c'est que je peux pas prendre d'élan. Non, ça monte vraiment pas bon cette histoire. Donc, du coup c'est pas un challenge 24h, c'est un challenge une journée. Parce que bon on s'est dit que si on devait faire 24h et qu'on doit jouer quand même. J'aime bien jouer de nuit quand on fait des challenges un peu 48 ou 72h comme vous avez pu voir avec le paysagisme. C'était vraiment stylé, on fera peut-être du TP très prochainement en 48h ou en 72h, faut qu'on voit avec Aaron. Mais vu qu'on fait qu'une journée, histoire surtout pas jouer la nuit quoi, ce serait bien. Donc là on fait juste un challenge une journée quoi. Donc voilà. Enfin, pas descendre ce sera 24h hein, dans la miniature parce qu'on fait des miniatures putaclic mais mais frérot. Les gars, on a chargé comme des bœufs, que ce soit le classe et le Nissan. Bon, je suis même pas encore, j'ai même pas encore fait un mètre. J'ai juste appuyé sur démarrer, frère. Voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé quand j'ai appuyé sur démarrer. Alors là, tu vois, je suis en train de me dire peut-être que je le déstocke en tapant une marche arrière du turfu vu que ça va aller dans la descente, tu vois. Mais là, je vais me cracher à donf. Et toi, ça va? Ah, tu prends la route là, toi? Attends, j'arrive. Bah non, on revient ici. C'était juste un marche arrière impossible. Ah oui, oui. Que je l'ai démarré, je suis parti à 5 km/h sans toi. Ah non, mais frérot. Bon, attends, je te décoince le Nissan et puis on échange, tu me passes le classe parce que là, les gars, le classe dans la descente, on va bien se barrer. Bon, ok, j'ai réussi à l'amener jusqu'en haut. Ça marche là, moi, il est. En fait, faut pas trop que tu ralentisses. En gros, faut que tu sprintes et en même temps. Oh putain. Non, je te laisse pas passer, je peux pas freiner. Je sais. Là, je suis à donf sur le frein, les gars. Il faut savoir que là, j'appuie sur le frein. Je suis au max. Oh putain. Oh putain. What the f... Oh gros j'étais... Ah non c'est impossible gros. C'est... Oh doucement tu peux accélérer. Wow. Normalement on est censé appuyer sur les accélérateurs. Bah là on appuie sur le frein. Alors on fait que appuyer sur le frein là. Allez salut hein. Oh doucement. Faut savoir que... Ah là c'est un peu de plat. Doucement. Non. Et même moi là c'est la galley room totale. Putain mec il est devant, ça va être drôle. Oh non, on va finir dans l'eau. Alors toi 100% tu finis dans l'eau. Et si je gère le frein. En même temps je peux. Il faut savoir que vu qu'on a le mode du poids réaliste, je peux pas tourner vite sinon ça renverse les trucs. Je peux rien faire en fait là à part contempler à part contempler l'eau. Oh. Faut que j'aille doucement, Bouge. Mais non c'est pas possible d'être aussi nul au jeu. Eh ben moi je suis resté sur mes 4 roues, chè. J'étais calé moi. Ça t'apprendra. Le gars il s'arrête calé. Au milieu de la route, il sait bien que je descende hein. Mais non mais j'ai été calé. Oh là là. Mais calé de quoi? Comment tu peux être calé? Je sais pas, j'ai dû... je sais pas, j'avais pu avancer. Oh, même là.
Eh, on gère les... Eh, en vrai, les gars, vous gérez. Donnez-moi une note sur 10 de la descente que j'ai faite. Les gars, je m'enterre avec le classe. Non. Oh non. Non, bah non, bah quelle idée de... Bah non, mais quelle idée comme ça de lâcher l'accélérateur. Oh, c'est bon. Voilà, c'est le nouveau... Ça, là, c'est le nouveau broquette, hein. Alors Aaron est parti chercher. Ah oui, donc lui a réussi. Ah ouais, bah attends, parce que là c'est un peu galère. Attends, je me remets en HUD. Aaron a réussi à monter avec le Nissan. Tiens, faut que tu le bouges, faut que tu le bouges. T'as pas le choix. Allez, plus loin. Ouais, nickel. Ouais, va falloir que tu m'attelles quand je roule. Hein. Parce que si je lâche l'accélérateur, c'est finito pour moi. Bah, je crois que de toute façon c'est finito là. Ah bon? Ah, mais non, mais si je lâche l'accélérateur, en fait, il redescend, il se relève en fait. Oh bah là, t'es. Vas-y, viens, viens, viens. Vite. Ah bah il faut mettre... Ah ouais, bah non, laisse tomber, ça marchera. Ouais, faut que tu mettes la tâche avec Alt. W. Ah. Oh là 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 là, faut faire vite, Aaron. W. W. Vite, Aaron, vite. Je m'en vais. Je m'en vais en bas. Oh. Ah là là là. Non mais non. Mais non, mais me pousse pas encore plus. Ah non. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dételé la chaîne. Mais oh non, mais t'es... Les gars, j'ai... Mais attends, mais où en plus de noter la descente, j'allais noter le niveau d'Aaron sur farming qui est une catastrophe hein, durant cette vidéo. Mais elle est où la chaîne? Mais elle est là, elle est descendue, elle est en bas de mon plateau hein. Allez, deuxième tentative. C'est bon là? Oh, tu crois? Ah oui. Oh, ça fait plaisir les gars. Oh, je suis plus enterré. 7 km/h hein, quand même. Bon, le John Deere est quand même au bout de sa vie, hein, je pense aussi. Je crois que ça va, la chaîne, elle est même pas tendue là. Je sais pas pourquoi, mais. Tu penses qu'il y a en fait une aide grâce à la chaîne directement? Vas-y, la chaîne qui te rattrape là, tu fais quoi? Ah, passe les vitesses. Ouais, les vitesses. Bon, les gars, il est 15h là, le temps est en fois 0,5 parce que je voulais pas non plus qu'on finisse trop tard en termes de temps. Putain, mais. Oula. Ok, c'est bon. Donc là, on va passer, du coup, on ramène le bois. Hein ? La chaîne, elle est même pas tendue. Bah ouais, non, mais là, ça se passe plutôt bien. On ramène le bois, du coup, les gars, et puis on passe à l'ensilage dans des conditions un petit peu extrêmes, puisque j'ai vu qu'ils annonçaient de la pluie en fin d'après-midi. Vous avez 5 secondes pour nous dire si c'est la fin ou pas, les gars. Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais regardez la... Regardez la montée. C'est la montée juste avant d'arriver à la ferme, les gars. Oh là là là, mon pote. On est à combien? Parce que j'ai pas la tâche, on est à 2, là. 1 Ouais. Non, 2. Ah, 2. Ah non, il faut absolument pas qu'il patine, là, le John Deere. Sinon, c'est broquette pour nous deux, je te le dis. Les gars, on arrive tout doucement à la ferme. La pluie vient de commencer à faire son apparition. Et on va du coup passer à l'ensilage, évidemment. Vous nous connaissez, on s'arrête jamais de faire des conneries. Enfin, en tout cas, de tester nos véhicules dans des conditions assez sympathiques. Donc, le bois, on va le garer là. Peut-être le Nissan, tu peux peut-être le reculer dans le garage. Même le bois est dessus, au moins il séchera un peu. Ouais. De toute façon, celui qu'on a sur le plateau, va falloir le recouper. Donc, on va le laisser là. Et là, vous êtes pas prêts pour l'ensilage qu'on va faire. Voilà, je vous le dis, vous êtes vraiment pas prêts. Puisque. Quoi? Avec le Nissan, j'ai l'avant qui est dans le sol. Ah c'est bon. Ah oui non mais quand tu, à chaque fois que tu démarres c'est un peu galère. Je vais vous montrer avec quoi on va ensiler. Donc on a déjà pour commencer l'ensileuse qui est là. Et on a bien évidemment notre Ben Legras qui est là, trois essieux. Alors autant vous dire, bah déjà c'est quoi le plus gros tracteur qu'on a? C'est le 8000 de toute façon. Je pense oui. C'est le 8000 donc de toute façon on a que ça, on a le 8000. Je vous ai tout montré à peu près. Il y a le John Deere qui est là mais le John Deere laisse tomber sur la... Quoi qu'on peut, on peut s'amuser, hein. Allez, oui, après il y a le McCormick aussi. Allez, on peut s'amuser. Ouais, mais le McCormick, c'est sûr que là, c'est foutu. Déjà, de base. Déjà on sort pas de la ferme. On sort pas de la ferme. Là, je vais tester avec mon 6000. C'est un M, du coup, que j'ai pris. C'est un 6155M qu'on a sur l'exploitation. Ouais, mais attends, on a la Ben Legras devant. On n'a pas une Ben à deux. Oui, après, voilà, tu vois. On a la Ben Legras. Oui, c'est la Ben Legras, mais c'est surtout les conditions qui vont. Bah, c'est ça aussi. Je vais te le laisser d'ailleurs. Je vais prendre la ensileuse et on va déjà démarrer tous ensemble. Et on va se retrouver champ directement, vu que là bon ça va faire que descendre, donc là il devrait pas y avoir de soucis. Hop, bien. Donc là on a une benne quand même en 62 mètres cubes et 62, je l'ai pris. Non, j'ai pas voulu abuser non plus, donc je l'ai pris en 62. Et derrière on a notre Jaguar 850 avec les particules d'ensilage dessus. Et donc vous allez voir qu'en fait sur la map j'ai mis les particules de terre. Vous allez voir quand on va être dans le champ, ça va être vraiment méga stylé. Ah, on arrive à 7 km/h avec le JD. Alors à vide, donc je pense qu'on aura besoin du 8000 hein, quand même tout à l'heure. Bah bref, déjà la première chose qu'on va devoir faire, voilà la gueule du champ. Oh putain.
Non mais laisse tomber. Ouais, je vois déjà le champ, tu vas être embourbé au bout du deuxième tour. Parce que le premier tour tu vas pouvoir le faire dans l'herbe, mais le deuxième tu vas être obligé de le faire dans le champ. Hop. Voilà, donc on va déplier notre machine. Déjà nous je suis même pas sûr que notre machine ne s'embourbe pas. Hein. Tu sais que je suis même pas sûr que notre machine ne s'embourbe pas. Oula, ah c'était le piqué, putain, m'a fait peur le piqué. Oui, t'as dépensé un piqué. Mais je me disais mais pourquoi la barre de coupe elle se ça savait pas. Mais qui. Attends. Mais comment il y a un piqué qui est là aussi? Bref, j'y crois. Une bouche incendie. Ah ouais, c'est une bouche incendie en plus, ouais. On a bien piqué comme des coups. Allez, c'est parti. Bon, pour le... Ah non, mon ensileuse se porte plutôt bien. Vous avez vu, c'est ça que je vous parlais, c'est les particules de terre qu'il y a derrière F2 là, vous voyez ou pas les gars? Ça rajoute du réalisme. Donc pour le moment, elle ne s'enterre pas, pourtant on est quand même sous de la pluie et tout, ça a l'air d'aller. Ça va être plus pour Raon là, parce que là je pense qu'il y aura quand même, vu la gueule du champ, au moins une benne. Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris la plus grande. Je pense qu'il y aura une petite benne quand même. S'il y a plus d'une benne, j'irai chercher le McCormick avec une autre petite benne, avec là dans le grenouille ou quoi. Mais là t'as combien de pourcent là? 10? 15. Ah oui, quand même. Oh ouais. On ralentit un peu. Ah merde, t'as à fond là? Ouais, ouais. Ah oui, effectivement. Attends, faut que je me décale un peu. Ah, parce que là, si je passe sur le champ, c'est fini. Hein. Bah, de toute façon, tu vas devoir le faire, c'est le but. Oui, après, mais. Déjà, là, tu passes sur les montagnes, alors. Hop. Voilà. Je te dis, Aaron, je fais même pas de détourage. Viens, je fais direct le retour. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est une descente, ça va. T'es sûr que. Non, mais t'es sûr que tu veux pas faire un détourage? Non. Moi, de ce côté. Pourquoi? Là, je sais pas, je suis en vue intérieure, je vois pas. Bah, hein? Genre. Genre, il y a une descente d'enfer, là. Mais oui. Bah, au moins on commence par une descente. Tu vois, au moins on commence par la descente ici avant d'attaquer la montée avec la veine pleine, enfin à moitié quoi. Hop. Je parlais de là, il y avait une descente aux enfers. Ah tu parlais de là? Enfin le demi-tour. Vas-y, le contracteur il est sur deux roues mon pote. Oula. Ouais, c'est tout juste hein. Let's go. C'est bon? Allez, let's go. Ouais, Freine, mais freine. Ah j'ai eu peur là. Non mais là t'avais pas freiné là, tout d'un coup t'as freiné sec, regarde. Là tu t'enterres pas là pour le moment? Ouais non, ça va le faire. Je pense que c'est l'année d'après là qui va être marrant. Surtout qu'en plus t'as tout sur le devant. Hey, tu feras gaffe, t'as tout sur le devant de la benne là en plus. Ouais. C'est le moment marrant les amis. Oula, le demi-tour que tu fais toi. Au début je pense que ça va aller. Bah écoute, t'as pour le moment t'as l'air d'une gazelle dans une forêt là, tout se passe bien. Et là, ça va? Ouais, hey, tu t'enterres pas. Oula. À mon avis, il faut pas plus de pourcentage dans la benne là. Ah, oula. Ah, c'est le moment. Ah, tu montes. Oh là, bah non, fin. Continue là. Bon, je trouve que tu peux t'enterrer, vas-y. Voilà. Fin des haricots, les gars. Voilà, terminé, au revoir. Oh! Non, on va tenter. Tu vas tenter comment là? Il va falloir que tu prennes beaucoup d'élan là, je peux le dire. Même avec de l'élan, c'est un petit peu galère. Attends, t'as une attache sur ta masse ou pas? Oui, enfin. Attends, bah écoute, on va voir. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est quoi qui attelle à chaque fois en fait? Voilà, c'est bon. Oh, ça a pris. Oh, ça a pris tout la masse. Ah, bah voilà! Avec un 8530, ça va un peu mieux, t'as un peu d'aide comme ça. Eh franchement, là, on se croirait sur Catalan Crops, là. Avec les deux tracteurs qui se tirent comme ça à l'ensilage. Donc vous avez vu, avec les modes là, j'essaierai de vous mettre un peu les modes en description, que ce soit le REA et tout. Ces modes qui rajoutent un peu, c'était aussi pour vous les montrer, ces modes qui rajoutent un peu de l'aspect réaliste. On avait déjà fait avec Fab et tout, mais là, vous avez le mode... Vous avez le mode particules de terre, vous avez le mode dust, vous avez plein d'autres petits scripts en fait qui permettent de rajouter du réalisme. Et vous avez vu qu'on a fait des. On s'est mis dans des conditions avec. Oula, Louvre fait n'importe quoi. Avec la map avec les montagnes quoi, c'est The Alp hein, qui est disponible sur King Mode, qui est vraiment une map très 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 montagneuse du coup. Et c'est une map mythique des anciens farming, c'est pour ça que je l'ai prise. Et par contre l'ouvrier des fois il pète des plombs, je sais pas si tu remarques, il s'arrête mais genre t'as l'impression il fait décoller son ensileuse. Oui mais c'est quand je suis trop loin, avant il faisait que ça. C'est quand je te ralentis. Ah oui, ok. Mais ça se passe plutôt bien, je vais... Alors le... Oula. Oh le 10 tours frérot. Non mais tourne. Oh non, attends parce qu'il y a Patrick devant. Oh la chaîne. Ah bah là la chaîne frère, tu voulais qu'elle soit tendue. Ouais elle est tendue là. Allez roule Patrick. Patrick il fait quoi là-haut? Mais frère il fait quoi? Oh il va être décalé. Oh merde, il va être décalé. Ouais, ah, il va se remettre droit. Ok bon là ça devrait le faire. Bah d'ailleurs là je te laisse, c'est bon, c'est une descente. Oula bah non, j'aurais peut-être pas dû te laisser. Ah c'est bon. Il avait le cul. Ah Patrick il se démerde encore.
Aon arrive avec le John Deere, regardez, il a fini, donc vous avez pu voir que j'ai un peu aidé quand même dans les montées. Donc il lui reste un aller-retour et ça devrait être bon. Enfin, même pas, il reste un peu de l'aller et puis un retour et ça devrait être bon. Donc je suis parti chercher le McCormick avec la masse devant, là le Bulge derrière. Et même, mais même là, vite, je vais en chier, gros. Je peux dire, là, il galère déjà. Je sais pas, peut-être pas, ouais, il faut voir. Allez, c'est parti. Oh, quelle idée, je peux déjà le préparer, non? Ouais, je sais pas. Là, non, ça va le faire, là, dans la montée, là, ça devrait être bon. C'est plutôt dans la. Bah, non, en fait. Tu penses qu'il lui... Ah non, il lui reste. Ah, c'est chaud. Ouais, il lui restera. Tu veux que je le prenne, le truc, pour peut-être essayer? On va voir tout. Vas-y, si tu veux. Quoique là, t'as beau être... Je crois que t'as beau être le dieu du jeu vidéo, tu l'as pas. Hein. T'as pas tout. Si. Parce que là, c'est ce que je suis. Ouais, non, t'auras jamais tout. Et là, par contre, qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais c'est le bruit, c'est le bruit. J'avais oublié de le désactiver. Enfin, j'ai appuyé sur H, mais ça a pas marché. Ok. Oh, il va rester deux épis, frère. En bas, là, à mon avis, tu seras tout prendre, Aon. Parce que c'est, tu sais, il a été un peu de traviole le vrai, mais en haut c'est vrai qu'il restera 2-3 épis. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'as fait là? Je sais pas. Il a marqué. Allez, tu fais quoi? Il se décale. Il est, les gars, vous préférez l'ouvrier ou Aon là? Non, c'est bon, maintenant j'ai ma ligne. C'est bon, t'as ta ligne? Ouais, j'ai ma ligne. Hop, je suis en plus intérieur. Ouais, nickel alors. Normalement, je suis. Non, dis-moi que je suis tombé dans la benne. Oh, sur moi, frère, il reste un épi et demi. Au pire, on fait pas le bord du champ, on s'en fout. Hein. Il passe un coup de labour, c'est bon. Ah, on te passe un coup de labour, il reste un épi, frérot. Va me faire chier là, allez, c'est bon. Imagine, on travaille pour des clients, on dit ça. Oh, c'est bon, je reviens plus, moi. Deux. Une rangée de deux, vous le gardez pour le labour. Mais ah, mais lui, et lui, en plus, au lieu de laisser une rangée de deux, il laisse des épis partout. C'est pas sérieux. Hein. Quoi qu'attends, il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place. Parce que combien? Je sais pas. J'ai pas la TH, je sais pas te dire. Il y a plus de place. Vas-y, on tente. Bon bah les gars, en fait on a fait 1 mètre et ça c'est fini. Je vais juste refermer la porte et on va partir du coup vider. Et bah c'est pas fini, il nous reste une dernière étape pour la vidéo, c'est bah de monter jusqu'à la ferme. Et la mission ne va pas être simple, rassurez-vous, puisque vous avez pu voir la montée qu'on a fait avec le bois. Bah là on va devoir la faire avec la benne. Alors moi, ça devrait peut-être le faire. Aon, ça va pas le faire du tout quoi. Genre faut déjà là tu freines ou quoi? Oula, mon ensilage il va jamais arriver aussi haut. Il va arriver au silo, je sais pas quand, mais pas aujourd'hui. Et voilà. Vous préférez l'ouvrier ou Aon? Oh, le tricheur. Eh les gars, vous avez vu sur une partie de la vidéo qui s'était retournée, évidemment, à chaque virage. J'étais à fond sur les Non mais Aon, je comprends pas. J'ai un plus gros tracteur que toi, une plus grosse benne que toi, et je galère. Et tu galères. Bah oui. Allez, vas-y, prends à. Ouais, non. À droite, non, c'est à gauche ici, frérot, non? À gauche. Ça va bien. Allez hop, on va à gauche. C'est parti. Et après, bah, on traverse le pont et puis c'est juste à droite. Première montée validée par Aon et le JD devant. J'ai eu les 500. Ah, ça va là. Là pour le moment, ça va. Je vous rappelle, hein, vous connaissez la route, que c'est pas ici que ça va merder. C'est à l'arrivée à la ferme. Moi j'ai ramené mon McCormick, du coup il est déjà dans le silo. On va attendre de vider ensemble pour terminer. C'est ici que l'amusement commence. Attends, dis-moi toi qu'à la TH là on a combien? 4. Ok. 3, 2,5 là. Ok, 2. Nickel, impec. Non, on commence, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Attends, parce que là c'est que le début là. Oui, c'est que le début. Là, moi j'attaque la montée là. Ah ouais? Oui. Ah, la benne n'y est pas encore, attends. Non, la benne n'y est pas encore. Quand la benne va y être, c'est bon, on va faire marche arrière. Là, elle commence à y être. Là. Ouais. Bizarrement, ça va. Franchement, ça va encore. Ça. Attends, je touche du bois. Je touche du bois, les gars. Peut-être qu'on va le faire Bah, attends. Et ça veut dire qu'il y aura que le bois qu'on aura galéré. Enfin, qu'on n'aura pas monté, quoi, aussi facilement. Et franchement, là, ça va. Hein. Pourtant, t'as combien? C'est 52 mètres cubes ou 62? J'ai déjà plus. 61 500. Ouais, 61 500. Donc il y a quand même du poids, mais ça va, le JD se démerde quand même. Donc même si là on n'est pas à beaucoup, on est juste à l'entrée de la ferme, et juste là-bas dessus. Donc on y est quoi. Les amis, Aon est arrivé sain et sauf, on a pas eu de galère du coup vu qu'on a monté le plus dur avec vous en vidéo. Bah derrière c'était super facile. Ah bah attends, t'as déjà commencé à vider toi? Oh. Bah de toute façon, vu la vitesse où elle se vide. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue que là par contre tu mets une belle le gras, c'est bon, t'as rempli le silo quoi. Donc on a nos deux petits silos qui sont là. On va vider ça tranquillou. Tu vois, moi j'ai déjà vidé ma le bouche.
Et puis bah je pense que c'est pas mal, on a bien records, je suis content du gameplay qu'on a fait. On a galéré comme je m'y attendais, voire beaucoup plus. Beaucoup plus que je m'y attendais plutôt. Parce que en vrai j'avais peur que ce soit nul et qu'il y ait pas beaucoup de galères, mais franchement on en a eu beaucoup. Donc j'espère que ce petit challenge vous aura plu. 24h, enfin une journée en soi, du matin jusqu'au soir, on a fait plein d'activités. Merci à vous d'avoir suivi, la chaîne d'Aon est en description et on se dit à la prochaine. Bisous. Ciao ciao.